Oh la vache. Avec l'équipe de soi, c'est plus compliqué déjà. Allez les boys. C'est ça. Faut tuer de l'ennemi là. Voilà, comme ça je peux faire mon super coup. Ouh. Ah voilà. Les bons level up sur les guerriers. On a gagné une case. Maintenant que j'ai compris le principe, on a gagné une case. Le problème, c'est que là, j'ai même pas le... Je tue des ennemis, en fait. Genre, je l'ai pas eu. On n'a pas le... l'attaque surprise, donc forcément, ça va être moins pratique. Ah, si, c'est bon, on a au moins 2 TP. Je suis vraiment content qu'on ait fait les nouvelles armes. Parce qu'à mon avis, ça joue beaucoup sur notre réussite. Le craft. Craft avant tout. J'ai même pas le temps d'aller d'un truc à l'autre, quoi. C'est ouf. Allez les boys. C'est ça, là, vous êtes taqués, c'est ça qu'on veut voir, ça y est, j'ai 2 TP, enfin, oui, 2 TP, oui. On peut lancer le... l'ulti. Explosion d'unité bleue. Par contre, c'est la mission du farm, hein, en toute honnêteté. Allez, on avance. En fait, faut que je reste bien sur le chemin, c'est comme ça que je me suis fait avoir la dernière fois. Ah oui, bien joué. Jean-Louis. Jean-Louis le soldat. Jean-Louis c'est un malade. Oh et l'autre kill pour Jean-Louis encore. Double kill de Jean-Louis. Il est énorme. On l'arrête pas. Bah j'y fous mal hein. Ouh. Ils amènent la souffrance hein. Mais une fois qu'on commence à les piquer, ça fait moins les malins. C'est l'ensemble de leurs forces mobiles. Ils vont maintenant nous regrouper et nous préparer pour le combat final. Ah. Et là, on a toute l'équipe. Et là, on peut rentrer dans les compétences. Très bien. On a fait ça, on a réussi. Alors, du coup, j'ai quoi comme compétence, là? Tactique de bataille. Commander les troupes, compétences dedans, Ok. Renforcer les alliés, stade des alliés proches. Ouais. Qu'est-ce qu'on va prendre? On peut améliorer les stats. Des alliés proches. Je vais tenter de prendre une autre lame comme ça en fait. Pour un autre élément en plus, au cas où. Oups. Par contre là-dessus. On va rester là-dessus. Ok. Ensuite.
ici. Les dégâts des terres, une compétence de feu. Ok. Ouais, c'est ce qu'on a. Et ensuite, ici, on a quoi? Et même, tu subis des dégâts de lumière, impossible à résister. Grandement ralenti. On va mettre l'IEM, à mon avis ça prend des points de tech, mais bon. Là ici on avait séduction, une nouvelle compétence, tente de pacifier tous les humains sur le champ de bataille. Ah. Tous les humains, ça devient quand même assez contextuel. Hein. Assez contextuel. Bon, restons là-dessus. Enfin, remarque, vu que c'est un truc qui utilise un PT, ça m'embête. Ça m'embête. Je sais plus si le siphon de puissance utilise un PT aussi. Un TP, pardon. Sabre des ténèbres, ça en utilise un aussi, je crois. On va voir si ça sort en utilise un. Moi, surtout de savoir qu'est-ce qu'il utilise des. Des points. Et là, on a encore une compétence en plus avec lui, il est ouf. Pique la marque du chasseur sur une cible. Ok. Soaria, est-ce qu'il est automatiquement la prochaine attaque en plus d'une case? Attaque à la dague diminuant grandement l'agilité de la cible. Ok. Je pense qu'on va prendre l'attaque furtive. Ou la marque du chasseur, tiens. Faisons ça. Ah oui, est-ce qu'on peut sauvegarder maintenant? La réponse est oui. En avant. Il n'y a plus de troupes mobiles. Tournez bien. Oh, il y a du monde. Ça, ça n'utilise pas de PT. Très bien. Alors... Déjà, est-ce que je peux faire le général? Presque. Ok. C'est bon. Ensuite, les magots, ils font du dégât. Si je peux enlever un magot, c'est cool. Ça devrait être plutôt bien. Oui. Ok, plus qu'un ennemi. Easy peasy. Très très bien. 314 de freak. Crack 314 boules. Vous avez fait une terrible erreur aujourd'hui, saleté de rebelle. Même si vous arrivez à m'éliminer, l'Empire de Viridia vous anéantira, vous ainsi que vos nouveaux alliés Sayunari. Et maintenant, vous allez contempler sans retenue ce qu'est la véritable puissance des forces spéciales viridiennes. Un combat de super soldats. C'est parti. Oh, mais les sprites sont tellement beaux. Allons-y. Est-ce que je peux le pacifier, le genre? Pas l'impression, mais... Oh la vache! Mmh.
Ok, énorme. Énorme, énorme. L'armure d'Alexei est impénétrable. Oh! Une barrière en moins. Bonjour, sa barrière est tombée. C'est maintenant ou jamais. Maître Kesh, le seul et l'unique. Je vais voir si tu te souviens ce que je t'ai appris, petit. On a un nouveau perso qui a 10 000 fois plus de PV que le pauvre Luchel qui s'est fait atomiser la tête. Bon bah, et vu qu'il a plus d'armure, go attaque sournoise, j'ai envie de dire. Barrière divine. Ok. On a esquivé. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui. Explosion du ki. Explosion éthérée, basée sur l'intelligence et la sagesse de Kesh, peut cibler n'importe quel ennemi, supprime l'effet barrière invulnérable. Ah, bah, c'est ce qu'il vient de faire. Posture fortifiante. Posture, augmente la vitalité, diminue l'agilité. Et des chances de contre-attaque. Augmente l'agilité et l'esquive, diminue la vitalité. Bloque les projectiles visant cette colonne et les colonnes adjacentes jusqu'à la prochaine action. Tous les dégâts subis par l'allié ciblé sont partagés entre tous les alliés. Kesh lance deux attaques en diagonale à partir de sa position. Ok. Ajoute la sagesse d'un allié à son intelligence jusqu'à sa prochaine attaque. Ok. Bloque les projectiles, ça me semble bien, mais il n'y a pas que des projectiles là. Mais si ça permet à Lucien de vivre, c'est cool. Ah, j'hésite. Alors je fais ça. Espérons que ça suffise. Oh, il est chaud. Là. C'était pas ouf. J'espérais plus. J'espérais mieux. Ah, j'ai plus assez de... Ah, dommage. Dommage, dommage. Alors attendez, on va continuer de faire du soin sur le chien là. On a besoin. Oh, excellent! C'était pile poil ce qu'il fallait qu'on esquive. Oh la vache. La douleur. Je peux pas me rendre camouflé. Faut que j'arrive à péter le magot. Ok, le mur c'est fait. Ah, donc il y a vraiment un système de couverture dans le jeu. Barrière éthérée, c'est-à-dire que je peux pas le buter. On va finir le magot, bon, on est tranquille. Je peux faire l'explosion. Voilà. Et là, on l'enchaîne. Ah là, on l'atomise. Fouh ! Compagnie Sigma, retraite. Lucian, tu as vaincu notre équipe de reconnaissance. Bien joué.
Mais nous allons bientôt revenir par milliers. Pour Kesh, c'est genre, oh, ça m'a filé 2 points d'XP, quoi, vous voyez le genre. Par chemin de compétences sacrées. Alors, restez résolu, améliore le moral des troupes, confère une régénération de PV, améliore la défense de tous les alliés. Pyrotechnie, tire un énorme cône de flamme en direction des ennemis. Coup de grâce, le summum de l'escrime, lance sur un ennemi 3 attaques physiques extrêmement puissantes, j'imagine. Puis de carreau, Escandar utilise l'arbalète sur son bras pour tirer une pluie de carreaux. Marque de bravoure, Escandar se camoufle automatiquement lorsqu'il perd plus de 3% de ses points de vie, j'imagine. Maître Kesh, durant toutes mes années de formation avec vous, je n'ai jamais eu la chance de vous voir utiliser vos techniques de combat. Oh, comment ai-je fait? Je suis sûr et certain que vous avez tous sauvé. C'est la première fois que j'affronte quelqu'un comme Alexei. Ça ne fait aucun sens. Raison tu as, jeune Lucian. À des temps difficiles, nous allons faire face. Pourquoi étions-nous incapables de le blesser avant votre arrivée? C'est à cause de l'armure éthérée qu'il porte et du sang artificiel qui coule dans ses veines. Artificiel? Je comprends le fait qu'il possède des augmentations, tout comme moi, mais... pas comme toi, Lucian. Il n'est pas du tout comme toi. Une armure éthérée, vous dites? Oui, ma chère. J'ai étudié l'espadon éthéré de Lucian, et je n'y comprends rien. C'est la première fois que je vois ça. Kesh, qu'est-ce que c'est que ce truc, petit homme vert? Ingrid, tu pourrais essayer d'avoir une attitude un peu plus respectueuse envers mon mentor. Toutes mes excuses, maître Kesh. Lucian, t'ai-je donc rien appris d'autre que le maniement de l'épée? Une si magnifique jeune fille avec un esprit aussi curieux et riche est une fleur rare qui doit être nourrie, non pas étouffée. Oh. Le père de Lucian m'a parlé de vous, Ingrid. Il est heureux de voir que Lucian peut compter sur vous pour tout ce qui est prouesse technique. Vous et moi avons beaucoup de choses à nous dire en ce qui concerne l'Ethereum et l'énergie qui l'alimente. Kesh, vous avez parlé de mon père? Penses-tu vraiment que ce vieil homme vert a pris seul l'initiative de venir à votre rescousse? En ce moment, je pourrais être en train de profiter de ma retraite à la plage de l'Ureska, loin de toutes ces sottises. C'est en effet Aldor qui m'a prévenu de votre imminente capture au fort Alabarda. C'est aussi lui qui m'a fourni de quoi enrôler notre ami félin ici présent. Par ailleurs, bien joué, Escandar. Je savais que vous réussiriez. Fut une glorieuse mission. Père. Il est difficile de comprendre exactement les actions de ton père, Lucian. Néanmoins, tu peux être sûr qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour te venir en Inde. Ouais, on dirait bien. Maître Kesh. Comme vous pouvez le voir, nous avons remporté une grande victoire contre Viridia aujourd'hui, et grâce aux déserteurs de l'armée Sayonari, nous n'avons plus à avoir peur. Je pense que notre petite rébellion peut se transformer en coalition qui finira peut-être par être capable de contrer l'agression viridienne. Ah, tu as l'intention de conquérir ton pays natal, hein? Pas du tout, je prévois de le sauver, et j'espère que vous n'êtes pas trop occupé, car il semblerait que nous allons avoir besoin de vos compétences. Occupé? T'ai-je pas dit que je souhaitais profiter du soleil de l'Ureska? Oh. Il est sarcastique. Oui, tu as encore raison, ma chère. Alors... jeune Lucian, mes compétences sont à votre service. Et essaye de ne pas prendre l'habitude de recruter des personnes âgées dans ton armée. Nous avons l'habitude d'être grincheux. Une dernière chose. Je gardais ce livre depuis déjà quelques temps et je pense que tu l'as bien mérité après ton excellente performance. Utilise-le afin d'améliorer grandement un objet de sa création. Mais fais attention, il n'a qu'un seul usage. Schéma de grand maître. Pour du craft. Flawless victory, succès déverrouillé. Craft. Je vais pas l'utiliser tout de suite du coup. Viridia s'est enfuie et est retournée au fort Alabarda. Alabarda est la clé de Belladorn. Si Viridia perd ce fort, l'armée sera forcée de se retirer complètement de Belladorn. Nous sommes désormais en nombre suffisant. Si nous arrivons à faire rentrer les guerriers Sayonari ainsi que les combattants Barrector à l'intérieur du fort, nous devrions être en mesure de le prendre. Cependant, les murs extérieurs sont très épais. Sans armes de siège, nous n'avons aucun moyen de pénétrer leur défense extérieure.
Oh, on est reparti en anglais. Mais il y a un principal défaut à tout ça. Enfin, à leur structure défensive, j'imagine. Un tunnel souterrain, forgé par une ancienne rivière. Enfin, creusé du coup par une ancienne rivière. Il mène au niveau le plus bas du fort. À travers lequel nous devrions être capables de nous infiltrer et d'ouvrir les portes de l'intérieur. C'est comme si elles étaient à nous, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va partir en mission d'infiltration à l'intérieur du fort, conquête du fort à la Barda. D'abord, bien sûr, retourner au QG. Hein. Donc l'idée, c'est de partir en infiltration à l'intérieur du fort et d'ouvrir, de passer par le tunnel, d'arriver dans le niveau le plus bas du fort, monter dans le niveau le plus bas du fort, pour monter à des niveaux au-dessus, arriver jusqu'au commandement des portes et ouvrir les portes. Escandar, nous sommes sur le point de chasser complètement Viridia hors de Belladorn. Cela doit sûrement te faire bouillir le sang, hein? Oui, une question que je voudrais te poser. Que comptes-tu faire après qu'il soit parti? Plus les jours passent et plus il semblerait que nous soyons enrôlés dans l'armée de Lucian. Crois-moi, si je sens la moindre odeur d'un nouveau conquérant en toi, les griffes trouveront rapidement le chemin vers ta gorge. Ça me semble équitable. Pour être honnête avec toi, cher ami, je n'ai pas encore réfléchi à ce qui arrivera aussi loin dans le futur. Mais j'espère sincèrement que les Barrectors continueront de me soutenir. J'ai le sentiment qu'une vaste coalition sera nécessaire, afin de sauver ce monde de la guerre et des souffrances que causent ceux qui ont corrompu ma patrie. Cependant, je ne suis pas en droit de forcer qui que ce soit. Il est question d'idéologie, et non pas de la construction d'un nouvel empire. Je plaisantais, petit humain naïf. Je t'ai fait peur, hein. Tes blagues dégénèrent assez rapidement, boule de poil. Je dois l'admettre. Un guerrier Barrector joue et combat farouchement. Et oui, ma façon de parler attire parfois les foudres de ma compagne. Je vais essayer de tempérer mon comportement pour vous, les visages lisses. Complètement absurde. Je n'ai ni prêt ni capable de faire une telle chose. Tu as bien raison.